Voilà, l'ambiance de Dialogue de Corps 2020, c'est vraiment incroyable ici de faire vivre le théâtre populaire. Le théâtre populaire qui a été construit par Thomas Sankara, c'est vraiment l'un des vestiges le plus important ici, culturel, dans ce beau pays, le Burkina Faso. Dialogue de Corps, le festival international qui regroupe vraiment les gens du monde entier. J'ai vu qu'il y a même des programmateurs qui viennent de Bruxelles, de France et aussi de Prague. Donc on est là. La semaine va commencer avec 4 jours de festivités. Découvrez, suivez-nous, on va s'éclater, yeah! L'expression de corps et d'âme, j'allais vous dire mon propos par des gestes et des danses. Monsieur le maire, bienvenue à tous nos hôtes qui ont choisi de faire le déplacement du Burkina en dépit de la pandémie de la COVID-19 et du défi sécuritaire que nous connaissons. Donc je vous dirais en langue nationale, Néo-Ongo, Audance, Fofo, et bienvenue chez vous. À Ouagadougou. Monsieur le maire, chers invités, chers collègues, chers artistes, c'est une joie immense de vous accueillir à chaque édition, à chaque fois, pour partager ces moments, ces instants de vie, ces instants de danse. Et cette édition se déroule dans un contexte que vous savez. Nous avons vraiment tenu à maintenir la manifestation malgré ces difficultés. Et les artistes ont répondu à l'appel. L'équipe d'organisation, les volontaires ont été présents. Les partenaires aussi ont été présents. Donc c'est un motif de réconfort. Et on dit que le merci n'a jamais écorché la bouche. C'est de dire mille fois. Et merci à tout le monde. Vraiment fort de réhabiliter ce théâtre, de revivifier ce théâtre pour que l'art continue à vivre dans la capitale. Voilà ce magnifique document, ce magnifique étude qui est une étude architecturale, qui est tout un travail immense qu'on a fait avec toute notre équipe pour arriver à ce résultat. Et je pense que nous pouvons réaliser ce beau projet si la volonté y est. Monsieur le maire, un grand merci pour votre présence et ce document vous appartient. Donc, les engagements que nous avons, c'est de faire de ce site-là un pôle réellement culturel pour la ville de Ouagadougou. Et je pense qu'avec les autres institutions, nous sommes très avancés sur le projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire de ce site un pôle culturel de la ville de Ouagadougou.
envie de vie me fuit. Ma bouche se serre et le pur rideau de mes dents disparaît. De l'accompagner dans son idée. D'accord. Voilà. J'ai dit, j'accepte. Super. Donc, nous faisons corps. Nous voyageons ensemble dans l'esprit de la danse. La danse, sans frontières d'âge, peut aboutir à une poésie qui est le summum de l'art.